Bonjour monsieur. Et c'est un contrôle de routine parce qu'il y a beaucoup de délinquance sexuelle dans la région. Ah bon? Oui. Présentez votre certificat sexuel. Quoi? Mais enfin écoutez, c'est incroyable ça. Donc sexuellement, ça va? Bah oui. Quand vous avez des rapports fréquents? Une ou deux fois par mois, voilà. Avec un homme? Ça dépend. Oui. Une femme? Oui. Tout quoi? Oui, oui. Oui, bah c'est bien. Vous avez des rapports en ce moment? Bah heureusement, j'ai un mari, ça serait triste. Hein. Vous avez des rapports combien de fois par semaine? Oh non, mais vous voulez rire, hein? Bah, écoutez, si vous n'avez pas votre certificat... Oui, bon, ben, bah, vous me mettez un procès, puis c'est tout. Moi, je n'ai pas à vous répondre à vos questions. Mais avec votre mari, c'est une fois tous les combien? C'est matin, midi et soir. Avec votre mari? Oui. Ils sont plusieurs? Ah ben bah non, j'en ai qu'un. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, oui, vous êtes considéré comme dangereux sexuellement. Hein? Vous êtes frustré. Il y a des tarés, ceux-là, on peut leur casser la gueule et les foutre au ouf. Ouais. Hein, ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais, hein, et vous avez des préservatifs sur vous? Non, bah, je me suis jamais servi cette saloperie-là. Oui. Et du gel? Jamais non plus, monsieur. Parce que dans le temps, on savait faire la marche arrière. Tandis que maintenant, bah, si n'importe qui couche avec n'importe qui, c'est plus une vie du peuple. Oui, mais... C'est une vie tarée, j'appelle ça. Oui, mais je vais être obligé de vous verbaliser. Ah, parce que pourquoi verbaliser? J'étais poli, j'étais correct. Oui, mais vous n'avez pas de rapport. Et bah, parce que je vais prendre un rapport verbalisé, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes trop dangereux. Bah, ça va pas votre tête. Non mais alors vous êtes malade monsieur, c'est vous qui va pas. Et vous avez un certificat sexuel sur vous? Non, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Je suis assez grande et je suis majeure pour savoir ce que j'ai à faire. C'est quand la dernière fois que vous avez un rapport sexuel? Ça vous regarde pas? Si, ça me regarde. Je vous demande pas à vous quand est-ce que vous en avez eu un, non mais... Bon, avec qui vous couchez? Ça vous regarde pas. Vous couchez avec votre mari? Non mais, j'ai pas besoin de bonhomme moi. Vous couchez avec une femme? Vous êtes lesbienne? Non mais n'importe quoi, vous allez vous taire. Vous... Mal poli. Est-ce que vous avez des préservatifs sur vous? Quoi? Ah, vous rigolez, non? Bah, c'est la loi. Oh, c'est la loi, bah, la loi, vous la mettez au coup de France. C'est une loi à la con. Et ce soir, vous faites quoi, madame? Mais ça vous regarde pas! Vous voulez pas dîner avec moi? Oh, mais sûrement pas! Pourquoi pas? Pas avec un lascar pareil, non? Est-ce que vous avez des préservatifs sur vous? Vous êtes un vrai cutter, vous parlez que de ça! Vous avez du gel, au moins. C'est dommage que j'ai pas une canne ou un parapluie, vous avez un coup sur la goule.